Elle l'avait dit, hein, qu'il y avait des monstres dans la région. Hey, on va pouvoir faire mon reportage sur les grands pieds. Pour impressionner qui cette fois-ci? Oh non! Tu vois pas qu'il recommence avec sa diva italienne? Oh. Je vous promets des belles trucs pour souper. Je te gâche qu'il va les prendre chez Monsieur Blouin, le garde-chasse. T'es pas fine. Mais quoi, c'est vrai? Quand je vais avec lui, il attrape jamais rien. Puis dès qu'il pêche tout seul, il revient le sac plein. Ouais. Ça sent la bonne truite fraîche chez M. Blouin. On peut rien te cacher, mon vieux. Comment ça va, Jamal? Ça va bien, toi? Oui, hey, t'arrives juste à temps, mon vieux. Hey, salut les filles! Salut! Comment ça va? Bien, toi? Oui, merci. Allez vous asseoir là, j'ai quelque chose à vous montrer. Ça, de cette sorte-là, vous n'en avez jamais vu. Le trésor de la montagne noire. C'est un œuf de faucon pèlerin, une espèce menacée. Savez-vous qu'il y a des gens qui sont prêts à payer jusqu'à 10 000 $ sur le marché noir pour se procurer un œuf comme ça? Les œufs des arfans des neiges sont encore plus chers. C'est fou! Au Moyen-Orient, là, les rapaces, c'est tout un symbole. Ça représente la force puis la puissance. Il y a même des gens qui sont prêts à payer des bandits pour se procurer des œufs comme ça. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire de celui-là? Alors, celui-là, on va le laisser incuber en laboratoire. Il y a un chasseur qui a tué la mère. Oh. Bon, hey, les filles, on parlera de ça plus tard, hein? On est prêts à servir. Tiens, ma belle. T'en veux? Oui, un énorme. Un énorme. Comment va Bart? Ben, sa vue revient. Progressivement. Il a même recommencé à distinguer un petit peu le jour et la nuit. T'sais. Est-ce qu'on peut aller lui rendre visite demain? Ben, j'espère bien. Il vous attend. Allez! Tom! Oh, il est doux! C'est Catherine, n'est-ce pas? Wow! Hey, comment t'as fait pour deviner? Comment il s'appelle ton chien? Maximum, mais je l'appelle Max. Hey, tes lunettes sont super cool! En toi, c'est sûrement Stéphanie. Catherine m'a beaucoup parlé de toi. Allô? Salut, Nathalie! Comment ça va? Ça va bien, c'est toi? C'est elle, l'alpiniste? Oui! En fait, je fais ça pour observer les rapaces qui vivent dans les montagnes. Ils font souvent leur nid dans des endroits difficiles d'accès. C'est qui ce beau gars-là? C'est Hans, le prince charmant de Nathalie. Allô? Ça va? Il est beau. Salut. Salut. Hans est photographe. Je l'ai rencontré il y a quelques jours. Il vient d'Allemagne. Nathalie lui a sauvé la vie, hein? T'exagères, Bart. En fait, j'ai trouvé Hans inconscient dans la forêt. Il avait été assommé par un agresseur mystérieux. Sûrement un grand pied. Un Sasquatch. Ben voyons, personne n'a encore vu de gorille géant par ici. Ben, pourtant, j'ai bien cru entendre un grognement quand j'ai été attaqué.
débrouille vraiment bien pour quelqu'un qui voit pas. Ça doit pas toujours être drôle. Au début, j'ai trouvé ça difficile, mais... Le plus drôle, c'est que j'ai toujours eu peur dans le noir. Mais maintenant, je suis devenue un vrai spécialiste de l'obscurité. Ça, c'est un avantage. Maman! Vous l'avez? C'est une belle truite! Fait quelle couleur? C'est une truite arc-en-ciel. Tully a peut-être sauvé la vie. Mais Hans, il n'est pas nécessairement amoureux d'elle. Fais-toi pas d'illusions. T'as vu comment il regarde? Tu trouves pas Bart plus cool? Plus de ton âge? C'est pas pareil. Bart. Hey! T'as entendu? Quoi il ressemble? On l'a pas vraiment vu, mais on l'a entendu puis on a trouvé ses empreintes. Nathalie aussi a vu des traces immenses dans la forêt. Ça m'a vraiment fait peur. Vaut mieux attendre Jean-Marc. Mais pour vous qui arrive avant l'orage... Allez, rentrons. Ils adorent flamber. C'est bon. Malin. La pluie va effacer toutes les traces maintenant. Que vous avez vu un monstre. Désolée, Bart. J'aurais pas dû crier regarder. C'est idiot. Non, t'en fais pas. J'aime mieux rester ici. J'adore le crépitement du feu. Moi aussi. Comme ça, les filles. Vous avez vu des traces bizarres dans le bois? C'est probablement juste un animal, hein? Les grands pieds existent vraiment! C'est gentil comme accueil. Tu sautes trop vite aux conclusions, toi. Mais alors, comment expliquer les agressions? Le grand pied voulait peut-être manger ses victimes? Ah, ben non!
Tout le monde sait que les grands pieds sont végétariens. Ah oui, ah, c'est sûr, hein? Oh, puis riez dans le temps que vous voudrez. Ok, mais on va te changer quand je vais te donner les serviettes. Bon, moi je vais me coucher. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Hey, je suis certaine qu'il y a un monstre qui rôde dans cette forêt. Puis je trouverai bien le moyen de le prouver. Hey, moi je connais un endroit où on peut observer les montagnes. Avec un peu de chance, peut-être que...